Hier soir, je me suis fait attaquer par des creepers, voyez-vous, et j'ai mouru, mais j'avais un totem of undying, donc jusque-là, tout va bien. Et jusqu'au moment où, en fait, il y a deux autres creepers qui ont aussi explosé, donc ils m'ont explosé moi, et mon stuff, et tout ce que j'ai récupéré, c'est genre du hawk et une torche. Voilà. Je suis triste, donc maintenant il faut que j'aille chercher de la nourriture sans pouvoir courir. Est-ce que j'ai plus de bouffe? Allez, c'est parti! C'est si long et on avance avec les pieds le long de la voie ferrée. Non, mais il y a des squelettes. Et... J'ai pas d'armure, j'ai pas d'épée, j'ai même pas une pelle. Quelle merde! Je vais boire mon chocolat chaud. C'est pour les nerfs à ce niveau-là. Déjà que j'en ai gros sur la patate, de 1 d'avoir pris la pluie parce que j'ai pas mon parapluie quand je suis allée faire mes courses, de 2 d'avoir perdu tout mon stuff et donc de pouvoir rien faire avant d'avoir refait mon stuff. Oh ta gueule, les poulets de mes couilles. On est tout nu dans la nature, écoutez, on va manger nos congénères et ensuite on va aviser. Hein. Étape 1, un under chest pour avoir des sous pour pouvoir acheter la plupart de mon stuff parce que j'ai trop la flemme de le refaire. Non, j'ai mes sous, ils sont restés chez moi. Oh la merde. Ouais, j'en peux plus. Nanana, je suis pas un poulet, je suis une licorne et va te faire foutre. Bonjour la bonne humeur. J'en ai marre de moi. Ben tiens, tant qu'on est là, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Ben alors, le plus proche, c'est ici. Il y a le Zanzounet, il a fait une super route pour aller jusqu'à chez lui. Parce qu'il est trop fort. Mais j'aimais pas ses arbres, alors je les ai enlevés, je les ai remplacés par des gros arbres, sa mère. Du coup, j'ai fait des gros arbres autour de ça. Enfin, il va faire des trucs ici. Je vous laisserai regarder ses streams et tout ça. Mais il manque des arbres à faire ici parce que flemme. Voilà. Et donc, moi, ce que j'ai fait, grâce à mes petites mains, je traverse la voie ferrée. Ouf. Du coup, j'ai fait ça là-bas. Regardez, j'ai rajouté une horloge. J'ai fait un pont et une nouvelle horloge. Est-ce qu'elle est en diams? Oui, peut-être. Du coup, j'ai fait un pont avec une horloge parce que j'aime bien les horloges. Je peux pas voler parce que j'ai perdu tout mon stuff, que je vais rage quitte et que j'en ai marre de la vie. Mais... Si j'arrive à retourner chez moi, si j'arrive à retourner chez vous montrer comment on y va. Tiens, je suis toujours à poil du coup. Ben oui, je suis toujours à poil. On va avoir mon pont. Je vais vous montrer mon pont avant de péter un câble. Avant de... Je vous avais montré l'intérieur de ma serre. Je sais pas. Voilà l'intérieur de ma serre. J'ai fait pousser des carottes et des betteraves. Je sais pas décorer, alors j'ai mis des légumes. voilà, j'ai fait un pont. Il sert à rien. Il va nulle part pour le moment. En fait, mon idée, c'était juste que je voulais m'étendre de ce côté. Je dirais même de ce côté. Et là, je pense que je vais faire des maisons, des jardins, je sais pas, un centre commercial, un cinéma, non, des maisons. Peut-être la fusée Ariane. J'en sais rien. Faire un truc ici, c'est relativement plat. Et maintenant, il y a un pont qui y va. Donc, c'est trop bien. Et en plus, on a une horloge. Voilà, peut-être qu'un jour on sera à l'heure, hein. Peut-être qu'un jour, grâce à toutes les horloges qu'on rajoute sur le projet, là peut-être que la team cheminot sera à l'heure. Voilà. Est-ce que la cloque a deux bois différents parce qu'il me manquait du bois rouge? Peut-être. Est-ce que je vais le changer? Non, parce que personne ne le verra d'aussi près. Il n'y a que moi qui le sais, maintenant vous aussi. Est-ce que les détails sur les côtés sont faits en diamant? Oui. Voilà. Si vous posez la question, la réponse est oui. Et on verra plus tard pour les explications. Techniquement, mon horloge est à l'heure 2 fois par jour. Voilà. Voilà. Je pense que c'est l'heure de l'apéro. Ah. Voilà. Le diam, c'est ici. Allez, c'est parti. On va acheter. On va faire des trucs. Ah ouais, il est bon, chocolat chaud. Je crois que j'ai mis trop de chocolat, c'est pour ça qu'il est trop bon. J'ai plus qu'à mettre un œuf et de la farine et je peux te faire un gâteau avec ça, quoi, tellement il y a de chocolat dedans. Dans mon humble magasin. Oh, un Zanzounet qui parle avec sa bouche. Ouais, tu parles pas. Vas-y, je t'ai mis à 110%. Je suis un peu sourd, madame, je ne vous entends pas, mais je vais régler le problème. Attendez, bougez pas, je vais okay. Chercher mon son d'automne. J'arrive. Au revoir. Ah, c'est bon, je vous entends. Oui. C'est bon. Oui. Mon Et... sonotone. Ah, Je je vous entends. comprends. Le sonotone, il était caché derrière les buissons. Ah oui. Vous faites quoi derrière ces buissons, monsieur? Regardez pas, c'est privé. Non, ne Ah regardez ouais, pas, c'est c'est faux. privé, effectivement. C'est privé. Non, c'est pas.
Oh. Je vois que vous avez beaucoup de chaussures. Peut-être un petit fétichisme sur les chaussures, je sais pas. Des bâtons aussi. Des Et une grosse chaussures? laisse. Je Des sais pas, des chaussures? chaussures en cuir, une laisse, des bâtons. Enfin, moi, je veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. c'est pas mes coffres, c'est ceux du voisin. Ouais, c'est pour ça qu'il a écrit c'est privé, Zanzag. En fait, c'est pas parce que c'est Non privé mais que ça appartient en à fait, Zanzag. Il te parle à non toi. mais Il te dit il veut Zanzag, me c'est privé. décrédibiliser. Oui, Voilà, non, c'est je ça, il en a comprends. marre que j'aille fouiller dans Je ses coffres, comprends. tu vois. Et qu'est-ce qu'il vous faut Bah, tout, en fait, là-dessus? j'ai perdu l'entièreté de mon stuff. Ouh, mais c'est beaucoup. Oui, mais j'ai de quoi payer. Si vous voulez, je Ah. peux refaire votre déco en diamant pour payer. Oh, attendez, je vais vous chercher tout ce qu'il faut. Alors, est-ce que c'est assez? Oui, c'est largement assez. Tenez, madame, tenez, Est-ce que là, c'est assez? Et là, par carte regarde. d'intérêt. En vrai, tu veux pas que genre on a été équipé à l'usine directement? Ah ouais. Comme ça, j'ai pas besoin de fouiller. Monsieur Zag, Oui. j'ai fait une bêtise. J'ai mis les diamants là en me disant je pourrais les enlever, mais non, parce que j'ai même pas de pioche. Ah ouais, écoutez, je vais les enlever pour J'ai vous, une madame vieille. Tungstène. Ah, j'ai une Mais ne vieille vous en faites pioche de pas. la Bat-Caving en vrai. Je m'en occupe. Il n'y a pas de souci. Oui, Je oui. les retire pour vous. Je vais Oui. les Je vous conserver comprends. à l'abri. Parce que quand vous n'avez pas de stuff, prenez, Oui, il ne faudrait pas oui. que. Non mais c'est votre paiement, c'est le paiement avec les intérêts et tout ça. Waouh! C'est pour Bon, je. l'entièreté du stuff. Je vais juste Ah! m'acheter des élytras par ici. T'as besoin de diamants, j'étais diamant. Ben non, il m'en reste 27 cubes là. C'était par là. Ah, me dis pas qu'il y en a plus. Oh, il en reste un. C'est 16 Oh la diams. chance! Oh la vache! Et Allez, puis 9 et 9, vu 18. l'activité, Ouais. on sort bien. 15. Oh là, je sais pas compter. 16, bam. Allez. Tu sais ce J'avais que compris que c'est le c'était autre bébé chose. d'un cannibale et d'un renard? Non. C'est un canard. Il est parti. C'est quoi le bébé J'aurais. d'un mouton et une vache? C'est une mouche? Laissez-moi Oui. tranquille. Oui. Voilà. Donc il vous faut. Il me faut tout. Ah, et normalement Ouais, je c'est vais le tout. mettre sur Ah. la pelle. Ok, Voilà. oh. Je pense que c'est bon si t'as pas besoin d'arc. Normalement, on a fait le plus bon Génial. temps. Oh, ça fait du bien. Ah, c'est bon, je suis rehabillée. J'aime beaucoup. Allez, je vais vous montrer maintenant mon gros trou qui a causé ma perte. Ah, j'ai tellement. Vas-y, je vais mettre les bouquins que j'utilise pas ici. Peut-être que quelqu'un en aura l'utilité. Genre moi dans quelques mois, tu vois. Allez, skibidi-bipapalapa. C'est parti, mon kiwi. On est reparti. Je vais vous montrer comment je suis morte parce que je suis trop débile et que je sais pas me défendre. Je sais pas se défendre alors qu'elle gagne des épreuves de PVP. J'ai gagné des épreuves de PVP, moi. La seule épreuve de PVP que j'ai gagnée, c'était celle avec des bâtons à la con, genre aux derniers Olympiques. Parce que j'avais des gros muscles. Mais surtout Guile qui me coachait derrière, qui m'envoyait des MP en mode vas-y, fais ça, maintenant fais ça. En vrai, trop pratique. Skill 0, stratégie 2000. Alors, je vais vous montrer. Enfin, vous allez voir. J'ai fait un gros trou. Vous voyez, genre, il y a de moins en moins de murs. Et le but, c'est que. Ouvrez les yeux. Imaginez. Attendez, on va retourner en haut. Imaginez, vous êtes un train. Vous arrivez là. Vous avez le choix entre prendre. Oh, salut toi! Vous avez le choix entre prendre le chemin qui fait un petit peu peur ici et le chemin qui fait méga peur ici. Du coup, vous prenez le chemin qui fait méga peur. Vous êtes une locomotive. Dans votre tête, vous êtes une locomotive. Vous passez là, sur le chemin qui fait méga peur, en bord de falaise, et vous êtes trop content. Vous pouvez même voir la machine des pierres non finie là-bas. Et là, vous êtes trop content parce que vous passez votre train en bord de falaise. C'est un peu comme bord de ciel, mais c'est un bord de falaise. Et là, vous passez là, et vous êtes content. Parce que vous êtes content. Et là-bas, c'est l'endroit de mon meurtre. Vous voyez là où j'ai mis des torches? Ben, c'est parce que j'ai mouru. Ouais, j'ai tout creusé. C'est pas encore fini. Il faut que je pète toute cette partie-là en diagonale pour avoir une belle hauteur sous plafond du cul. Donc là, vous êtes le train. Je vais devoir péter tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et donc là, vous êtes encore le train et vous descendez parce que vous êtes un train super stylé. Donc là, je vais encore creuser pour avoir encore une belle falaise de la mort. Et là, je vais un peu. Aïe! Bonjour. Je suis pas tombée. Ça s'appelle le déni. Et tu descends là. Et là, il va falloir retorcher parce qu'il y a plein de gens qui viennent. Et tout ça va disparaître. Voilà. Et là, tu descends ici. Là, waouh. Un large hurle-voix ferré. Oui, ce very simple méthode.
Voilà. Mais ici, on arrive là. Par contre, là, vous voyez, la montée, je la trouve un peu abrupte. Donc, je pense que je vais faire le truc qui remonte petit à petit, un peu plus mousse. Mais bon. Avant ça, il va falloir péter de la montagne. Pour la peine, je vais parler au poulet et pas à vous. Alors, cher monsieur poulet, licorne du cul, me poser la question, combien de TNT c'est trop TNT? C'est-à-dire, au bout de combien de TNT est-ce que je vais mourir par erreur humaine? Parce qu'en général, je meurs quand j'utilise la TNT, parce qu'au début, j'en pose un peu en me disant « je suis quelqu'un de prudent », et après, j'en pose un peu plus parce que je me dis « ouais, mais c'est long », et après, j'en pose trop et je meurs. Donc aujourd'hui, c'est une expérience sociale. Bon, au bout de combien de TNT, c'est trop de TNT, je meurs, je perds mon stuff et je rage-quitte le serveur pendant 6 mois comme la dernière fois. Voilà. C'est pas en vrai si je vous ai montré mon avancée de mes rails. Parce qu'en fait, j'ai un peu avancé mes rails du type j'ai creusé des trucs. Bonjour. Il se peut qu'éventuellement... j'ai cassé des pioches, pas trop en vrai, parce que je les répare. C'est ça, très cool, c'est réparer ces pioches. C'est parti. Alors, si j'étais un gothique, que j'avais une toute petite barbe, je serais par là. Bam. Bam. Oh tiens, j'ai une petite question pour ceux qui étaient sur le stream de Alp juste avant. C'est super que vous soyez là. Il a vu ma salle de bain ou pas? C'est pour le travail. Est-ce qu'il a... Juste pour le... Est-ce qu'il a vu ou est-ce qu'il a pas vu? Est-ce que vous avez cafeté du cul ou... là, alors, je rappelle que nous sommes contractuellement interdits de faire un six-pack. Nous ne pouvons plus que faire un four-pack. Et après, ça sera un two-pack. Mais nous passerons dans la catégorie chanteur. Oh, il a pété ma salle de bain. Honteux. Faudra que je revienne refaire une salle de bain. Bah ouais. Elle s'arrêtait là. Oh, il a pété ma salle de bain. Je me sens floutée. J'avais fait une super base secrète. Ils ont pété ma base secrète. Vas-y, je referai une base secrète dedans. Ils auront pas le choix. Ils auront grave pas le choix. Elle sera plus grosse. Elle sera plus grosse. Plus en... Oh, je vais la faire en obsidienne. Ça, s'ils veulent l'enlever. Eh ben, bon courage du cul. Voilà. Il y a des petits poules. Oh, je sais pas si vous le voyez. Les petites particules magiques. Il y a des petites têtes de poulet. J'avais pas remarqué. Oh, c'est trop bien. Ça, c'est les particules techniquement qu'il y a sur le livre d'enchant. Donc, ça veut dire que si je mate un livre d'enchant assez longtemps, je vais voir des poulets. Ce sont les lettres T et U. Oh, c'est magique. Oh, c'est trop bien. Cause I'm TNT. Poète. Vas-y, on va en poser un tous les 1, 2, 3, 4, 5 blocs. Allez. 4, pouf, 1, 2, 3, 4, pouf, oh, le dilemme, oh non, est-ce que je commence ici? Bon, déjà, il y a une possibilité pour que ça foire, c'est-à-dire que j'ai mis une TNT tous les 4 blocs, il est possible qu'en fait elles se touchent pas les coudes entre elles, tu vois, et qu'elles explosent à l'unité et que je sois très triste, c'est quelque chose qui peut se passer, je peux commencer de ce côté ou je peux commencer de ce côté, ce qui fait que ça fait réaction en chaîne. Ou alors, je peux commencer au milieu sur le beacon, comme ça, moins de chances qu'il pète. Pas con. On a eu une, puis tu cours vers les autres. Ça, c'est choisir le chaos, hein. Est-ce que je choisirais pas le chaos? Le problème, c'est que si je choisis le chaos, bah, je pourrais pas regarder les trucs exploser, tu vois? C'est le problème. Si je choisis le chaos et d'allumer la TNT pendant que je suis dans la TNT, c'est prendre le risque de pas regarder, voir la TNT exploser. Prendre le deuxième risque d'exploser en même temps que la TNT et du coup de pas voir la TNT exploser parce que j'ai explosé. Et de perdre mon stuff parce que mon stuff aura explosé avec la TNT et la TNT à côté de la TNT aura explosé ma TNT de mon stuff. Voilà. J'ai appuyé, j'ai réfléchi ensuite. Allez, bon maintenant on va voir si ça... Elle s'explose entre elles. Oh c'est bien. Oh j'aime beaucoup. Oh j'aime beaucoup. Oh non, elles sont si loin. Waouh, c'est beau. C'est pas très efficace, mais qu'est-ce que c'est beau. J'apprécie beaucoup ce moment. Oh non. J'ai mal calculé quelque chose, les copains. Maintenant, il y a beaucoup de mobs, en fait. Oups. Ouais, j'ai pas pensé à ça. C'est problème, tu problème. C'est que maintenant, c'est le moment où il y a des creepers. Elle me pète la gueule. Oh mince. Oh! Ah bah! Salut! Ah bah bonjour la gare! Oh mais oui! What the fuck? Attends, keep! Je vais te faire un gros garage, tu vas voir! C'est. Qui
Povstalmic, c'est pour toi. Je te fais un... J'agrandis ton garage, t'inquiète. C'est pour le travail. Aïe. Oh, il faut s'exploser mutuellement, les loulous, là. Hein? C'est comme les touches, hein, les touches. C'est comme les coudes, faut que ça se touche. Tiens, on est bien chez Kip, hein. Oui, il a fait de la R déco. On est chez Kip. Salut, toi. Maison de Kip. Décoration en air build. Ouais, c'est ça. Accroche-manteau. On appelle pas ça une patère. Un porte-manteau, peut-être. Une table. Moi, j'aime beaucoup. Ah, disons, il y en a plein de la déco, ouais. Engage une tutu sur ton serveur pour péter des trucs. Ben voilà. Je suis sûre qu'il sera trop content. Là, il va arriver. Il va se dire, ouais, j'ai un trou. Je suis trop contente. On pourra accéder à la grotte du train depuis une maison. Oh, et là, t'es très... Salut, le creeper, hein, je t'ai vu. Hein. Si t'exploses, c'est que t'es moche. Attendez, les mobs. Attendez, je vais... des trucs. Me frappez pas tout de suite les mobs. J'ai dit pas tout de suite. Non mais bande de mobs, de mes grottes. Oh, salut le beacon. Ça roule. Moi aussi. J'aime beaucoup la façon dont tu me fais prendre des cœurs. Alors, tu peux. Non mais arrêtez de mober les mobs. Hein. Non mais je vous jure quoi. Ouais, ils me tiennent compagnie, ouais. Ouais, ouais. J'ai vu ça, ouais. Oh, on appelle ça la défense... la défense à tu... Non, mais il faut pas me taper. Moi, je peux me défendre, hein. Regarde, je peux me défendre. Hein. Regarde comment tu me défends trop bien. Tu vois comment je me défends trop bien. Vas-y, brûle. Ah, il y a plein de creepers. Bonjour, comment allez-vous? Moi, ça roule. Oui. Venez, suivez-moi, il y a des trucs cool par là. C'est pour le travail. Mais toi, je te parle pas. Sure. Les mobs, c'est plus que ça. Salut, toi. Tu veux pas exploser, genre à côté? Ah, tiens! Allume le tunt! Allume! T'as du feu? Ouais! Je vais mourir! Ah, j'ai eu peur, mais je suis contente. Je vais me plaindre à Alps, puisque c'est comme ça. Où est ma salle de bain? C'est, vous savez, c'est important d'avoir des salles de bain accessibles en toute situation. Et Alps, il l'a enlevé. Tu dis ça. Parce que tu n'as pas une petite vessie. Ouais. Je pense qu'il y a la discrimination envers les gens qui ont des petites vessies, tu vois. Ouais, mais je devrais aller me soigner avant de mourir du cul. Oh. Trop bien. J'ai une entrée rapide. Oh, j'aime beaucoup. Vas-y, je vais l'agrandir, ça. Mais... Pouette. C'est un creeper qui m'explose dans la tête. Je serais triste. C'est une belle fenêtre, hein. C'est une jolie fenêtre. Hein. Oh, je suis contente de la jolie fenêtre. Oh, j'ai envie de faire un truc. Haha. Professionnel. Je sais. Ce que je veux faire, c'est... avoir un plus grand puits de lumière. Si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'en fait, on n'y voit que pouic. Dans la caverne. Non, je vais crever, putain de cul. Bon, eh bien, il nous aura fallu exactement 1h11. Ah bah super, 1h11, c'est très très bien. Il nous aura fallu 1h11 pour crever. Voilà. À votre avis, mon stuff, il est en haut ou en bas de la caverne? Non, parce qu'en fait... Ah, oh, sa mère la chaudière. Non, parce qu'en fait, on a crevé. En haut du truc. Mais en fait... Oh, je veux mourir. partout s'il a survécu. Non, mais j'en ai marre. Je savais que ça allait arriver, hein. J'ai prévenu tout le monde que ça allait arriver. Mais ça fait mal. Ça fait mal à mon petit cœur. Oh. J'aime bien les puits de lumière. Ça ajoute de la vie dans une pièce. Hein. J'aime beaucoup. Par contre, je vous préviens, si mon stuff, il a totalement genre disparu, dispawn, je rage quitte immédiatement. Et je reviens plus, en fait. Genre plus jamais. Ah, mais il est pas du tout là, le trou. Hein. Non, il est plus là. Je reviens plus jamais. La saison est finie. Et Je lègue une jambe. Leg. En anglais, c'est une jambe. J'aime bien l'humour. Oh, my stuff. Oh oui. Tout n'est pas mort. Tout n'est pas fini. Oh, il nous reste de la TNT, les loulous. Ça, je crois qu'on peut recommencer. L'art de ne pas apprendre de ses erreurs. Je voulais vous montrer quoi? Mon skin! Attendez, vous n'êtes pas prêts. Alors, sachez que j'ai ajouté une barbe. Voilà, je suis plutôt contente parce que maintenant j'ai enfin une barbe bleue sur mon corps bleu.
Et Damondo, il y a des cheveux qui est en réalité aussi une barbe. Mais c'est derrière le tout. En fait, je pense que ce sont mes poils totaux qui font croire que ce sont des cheveux. Mais en réalité, c'est ma barbe qui est double face parce qu'elle est tellement grande que je la mets double face. Il y a un jour. Voilà. On a dit tout à l'heure ne pas utiliser les blocs de TNT pour s'aider à monter les marches. Hein hein allez. Allez. Ça, c'est pas une bonne idée, hein, clairement. Haha! Je suis trop loin pour vous m'explosiez la gueule! Je vais s'éloigner. Ah! Normalement, ici, ça va, hein. Ça va? Ok, oh. Ah, Yame professionnel TNT master. Je vais poser toutes les TNT qui me restent et advienne que pourra. Je pense, hein. On va faire ça comme ça. Petit. Sachant qu'on a une sortie de secours ici, si on a peur, on peut descendre par là. Vous voyez ce que je veux dire? Allez. Je pose tout. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui. Viens faire un petit coucou sur Twitch et aussi sur Discord, parce qu'on est super cool là-bas. Tous les liens vers tous les réseaux, quels que soient-ils, sont dans la description. Je vais aussi essayer de mettre le pack de textures, le ressource pack des poulets, où tous les mobs sont des poulets, dans ma description aussi, si j'y pense. Sinon, n'hésitez pas à me dire que j'ai oublié dans les commentaires. Bref, bonne fin d'année et à la prochaine. Des bisous.